professionnel du clapage. C'est un beau clap. Hop. Maman. Salut Hugo. Bon, du coup, on est où là? Salut Boris. Mais si on est à la maison, sur le glacier des Deux Alpes, au refuge des glaciers des Deux Alpes, à 3200 mètres d'altitude. On m'a dit que t'avais une certaine passion pour le basket, ça t'est venu d'où ça? J'ai une certaine passion pour le basket depuis 2 ans, on va dire. Parce que j'en faisais pas beaucoup, j'en faisais comme tout le monde au collège ou au lycée. Et depuis que je me suis fait le genou il y a 1 an et demi, on a commencé en réathlétisation avec un copain à jouer. Et là on a commencé à faire des paniers un peu à l'envers, etc. Et depuis j'y ai pensé à faire en ski en faisant des figures. Et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Et le ski freestyle, comment t'es arrivé à ça? Je partais avec mon père qui adore le freeride aussi. Et c'est venu après avec une bande de copains. On allait fabriquer nos propres bosses dans la poudreuse. Puis on a commencé à sauter comme ça. Et puis j'ai fait 6 ans en équipe de France, donc Coupe du Monde, de slopestyle et de big air. Quelle sensation ça te procure? Ce qui est cool dans le ski freestyle et le freeride aussi, c'est que on est libre, c'est freestyle, c'est un sport qui est libre. Si on veut faire des bosses sur le côté de la piste, on va se faire sa propre bosse, on peut en poudreuse se faire la sienne aussi. Et puis c'est des sensations qui sont extraordinaires. Il y a quand même des dangers. Ouais. À quel moment peut-être tu te mets des limites? Ce qu'il faut, c'est s'entraîner et y aller progressivement. Donc nous, on s'entraîne beaucoup sur trampoline, à la salle de musculation aussi pour tout ce qui est renforcement musculaire. Et après, on fait aussi beaucoup d'airbag, du water jump pour tester nos figures avant. Et après, on y va progressivement. Et quand on a le feeling d'envoyer un nouveau saut, par exemple, on y va. Et des fois, on peut se faire mal. Je me suis fait un genou. Ouais, mais du coup, il faut quand même faire gaffe. Parce que c'est vrai, moi, ce que j'aime bien dans les skieurs de freeride, freestyle, c'est... Ouais, les mecs, ils ont l'air cool, quoi. Ouais. Ils ont l'air tranquilles, genre, tu fais ça les doigts dans le nez et tout. Alors qu'en fait, il faut être vachement minutieux. Tu dois quand même bien te préparer, tu dois bien connaître, anticiper, savoir ce que tu vas faire. Ouais, exactement. On a l'air, le freeride, c'est freeride, freestyle. Le freeride, faut encore plus préparer. Mais c'est vrai qu'on a l'air cool, ouais. On rigole bien, mais à côté, on bosse quand même pas mal à côté pour arriver à faire tout ce qu'on fait. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de mes prestations de skieur, même si t'as pas trop vu parce que là c'était quand même sur glacier. Je suis pas très bon dans le freestyle, mais t'as pensé quoi de mes débuts? Pour des conditions comme ça, avec de la neige qui était glacée au début, je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti. T'as fait ta première bosse aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Faut que je progresse maintenant, c'est pareil, comme tu dis, faut que j'aille petit à petit. Faut se mettre des petits objectifs 3-6. Cet hiver, 183,6 grab. Si tu as plus skier cet hiver, c'est parti. Challenge accepté, faut que je revienne. Switch aussi, t'as ski en switch, tu skis bien en switch. Ouais, j'ai essayé. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, après avoir fait 14 ans NBA, d'arrêter comme ça, tu retrouves des sensations un peu autre part, tu ressens des trucs, t'as besoin de quelque chose d'autre ou... Ouais, c'est sûr. Alors, il y a cet esprit de compétition. Tu vois, qu'on avait pendant toute notre carrière, je pense qu'on avait tous été à un moment donné forcément compétiteurs. Ouais. Et puis aussi ce besoin d'adrénaline. Donc moi aussi j'aime bien, c'est peut-être pour ça aussi que je fais notamment du ski. Et d'autres choses, c'est que j'ai toujours besoin de me mettre des petits défis. C'est pour ça que j'aime bien le challenge que tu me donnes. À la retraite, et une fois que tu as arrêté tout cette adrénaline des matchs aussi. Ouais. Tu peux avoir en fin de match, les matchs serrés, sur des finales de Coupe d'Europe, sur des finales NBA. J'essaie en fait de les retrouver maintenant à la retraite et parfois avec des sports plus ou moins dangereux quand même. Ouais, tu fais le ski, tu fais beaucoup de bateaux. Ouais, donc beaucoup de bateaux, beaucoup de plongées. Puis j'ai envie de me mettre aussi un peu dans tous les sports de haute voltige. Donc ça peut être le saut en parachute, parapente, un peu tous ces sports-là. Ouais.
tous les sports dont tu n'as pas pu trop profiter. Exactement, il y a plein de sports dont on n'avait pas le droit de faire pendant notre carrière, parce que jugé comme sport dangereux. Et donc du coup, c'est des sports que j'avais envie de faire pendant que je jouais au basket, mais que je ne pouvais pas faire. Et donc du coup, maintenant j'en profite. Ouais. Donc là, tu passes de bonnes vacances un peu. Ah bah oui. Et tu fais pas que des vacances si tu veux aller au JO. Ouais. Et plus pour le boulot. Ouais. Ça te fait pas trop chier d'aller en costume. Ouais, c'est ça, c'est différent. Ouais. Donc les Jeux Olympiques, quand tu y joues, c'est quelque chose. Donc là, bah écoute, c'est la suite logique. Passer de l'autre côté de la barrière, à un moment donné, bah, il fallait que ça s'arrête. Et donc maintenant, bah, j'essaie de faire profiter aussi de mon expérience aux jeunes. Donc c'est une espèce aussi de passation et c'est un truc, c'est un kiff d'être au JO, que ce soit les JO d'été ou les JO d'hiver d'ailleurs. Ah, tu m'étonnes. Puis les jeunes en plus, tu as pu jouer avec eux avant. Ouais, donc la plupart des jeunes, j'ai joué avec eux et puis il y a encore des nouvelles étoiles montantes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a, une belle relève au niveau du basket. Et tu vas peut-être voir aussi un autre côté des jeux. Ouais. Ça va changer. Exactement. Sans la pression du joueur, c'est différent aussi, tu vois. Ouais. Bah alors, tu te traînes un peu, là. Si on se faisait un contre un, on mettait le panier sur le glacier, là, en ski. Je pense que ce serait serré, parce que bon, du coup, je serais à la ramasse en ski. Mais moi, je serais à la ramasse au panier. Ouais, mais je pense que t'es meilleur en basket que moi en ski, pour l'instant. Mais j'y travaille. Ah ouais ? J'y travaille. Et du coup, toi, c'est quoi ton prochain défi ? Quel est le futur pour toi ? Prochain défi, là, on a fait le basket avec toi, et puis le prochain défi sera avec un pilote automobile, skier avec une voiture. Ok, tu penses que tu peux la battre en vitesse ? Peut-être pas en vitesse, mais sur une course dans un col, je peux peut-être trouver des passages en lui sautant par-dessus qui peut faire du petit chicken pass. Oh bah, il me tarde de voir ça. Ouais, ça va être cool, je pense. Bon, eh bien, merci. Merci Hugo de m'avoir reçu dans un cadre idyllique. Merci à toi. Et puis on va pouvoir redescendre maintenant. C'était vraiment cool. On redescend en ski. Ouais, en ski ou en... Ah, t'as un autre moyen de locomotion ? Ouais. On va voir ça. Tu peux te dévaincar. Allez. Are you listening ? Damn.